Est-ce que vous voulez voir en un seul message comment tu peux t'embrouiller avec une meuf de ta classe? Cette fille qui dit à un gars, Nolan, est-ce que t'as mes 10 euros? Le gars il fait, ah mais attends, je te dois pas d'argent. Elle fait, non non mais attends, un jour en classe t'as dit que tu donnerais 10 euros à la fille qui te faisait un bisou. Il fait, wesh mais c'était il y a longtemps et tu m'as fait un bisou sur la joue, ça compte pas. Elle fait, arrête et donne-moi mes 10 euros, c'est un bisou, ça compte, t'as pas de parole. Bon, le gars, il va péter un câble. Il fait, écoute, c'est quoi, va demander 10 euros à tes parents, sale gratteuse. Tu m'as reparlé vraiment pour ça. J'avoue que la meuf, elle vient juste lui gratter 10 boules et elle fait, t'es nul. Demain au collège, je dis à tout le monde que t'es un menteur. Le gars, lui, s'en va, ouais, ta gueule. Chut, 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 tais-toi un peu. Allez, salut les potos, c'est The Frag HD, j'espère que vous pétez la forme les gens, pour ma part je vais super bien. Non attends, je plaisante, je suis vénère. Non, il y a la tension qui monte et je sais que ça va être pareil pour toi derrière ton écran. Vous l'avez vu au titre aujourd'hui, c'est les pires SMS de michetonneuses, filles vs garçons. Mais vous inquiétez pas, il y a aussi bien des mecs qui vont gratter des meufs que des filles qui vont abuser de la notoriété, de la gentillesse de certains garçons. C'est affreux, faites attention aux gens que vous fréquentez. Et le pire dans cet épisode, c'est que les gens ont l'impression que ce sont vraiment leurs amis jusqu'à ce qu'ils voient la face cachée et qu'ils rendre compte que c'est des gros gratteurs. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 10 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dans l'espace commentaire, dis-moi si t'as déjà connu un michetonneur ou une michetonneuse. Si vous êtes prêts, c'est parti. Ce premier texto, il est horrible. Ce gars-là, il a flashé, il a des sentiments juste pour la mauvaise fille. Puisqu'il lui dit, j'ai des sentiments pour toi, elle lui répond cash, ouais, eh bien garde tes sentiments, j'en veux pas. Il ressemble à son père, il est moche, tiens. Il fait, ouais, mais sauf que j'ai des sentiments et de l'argent. Ah, il va la tester un petit peu. Elle fait, attends, beaucoup d'argent, parce que si c'est le cas, tu commences à m'intéresser. Oh, c'est chaud. Il fait, MDR, j'y crois pas, cette grosse michto. Et elle le corrige, elle fait, non, je suis une fille qui mérite seulement d'avoir le meilleur. Un homme riche, beau, qui a une belle voiture et une grande maison. Tu mérites rien du tout, une grande claque dans ta gueule. Il fait, et toi, tu fais quoi dans toute cette histoire? Enfin, tu sers à quoi? Parce que ton gars, il rapporte l'oseille, tout le bordel. Et toi, tu fais quoi du coup? Elle fait, hein, bah écoute, moi, je suis sa splendide femme. Qu'il est fier de présenter à ses potes. Je me fais belle tous les jours et je le comble sexuellement selon ses envies. Voilà, oh, l'estime de soi-même. Il fait, ouais, en gros, tu es un jouet sexuel à la demande de ton mec MDR. Oh, c'est un peu ça. Excuse-moi chérie, tu peux ouvrir les cuisses et je t'ouvre un sac? Oui, j'arrive. Elle fait, pfff, de toute façon, toi, t'es moche, donc tu comprendras jamais ce que les gens beaux peuvent obtenir. Oh là là. Tu peux débrancher la connasse? Elle pète plus que son cul, faut la faire redescendre, pitié. C'est un supplice. Là, c'est deux potes qui sont en train de discuter, je vous jure, le gars m'a terminé. Il dit à son frérot, est-ce que t'as eu le nouvel iPhone à Noël? Son pote, il lui fait, ouais, ma gueule, ma famille est grave gentille. Ça brasse de l'oseille. Il fait, par hasard, t'aurais pas reçu un truc que tu veux pas? L'autre, il fait, c'est-à-dire? Il fait, bah, fais, je sais pas, un truc de merde qu'on t'a offert et que tu veux bien me filer. Son pote, il comprend pas trop, il fait, attends, t'as rien eu cette année pour venir faire le mendiant? T'imagines, t'envoies des textos à tes potes pour leur demander s'ils ont reçu des cadeaux de merde qu'ils peuvent te donner. Mais pourquoi? Je comprends pas bien. Il fait, en fait, j'ai besoin de thunes et je vais revendre les cadeaux de merde que j'ai eu et je récup en fait tous ceux des potes pour les revendre aussi. Ah, j'y crois pas. L'autre, il fait, gros, t'es un rat sa mère, je suis plié. Alors franchement, mec, il va récupérer le vieux bouquin qu'on t'a offert à Noël qui coûte 10 balles et il va le revendre, tu sais, moitié prix à 5 euros et il va se faire un petit peu d'oseille comme ça. Et ça, ouf. Là, franchement, c'est chaud. C'est un mec et une meuf qui sont en train de discuter et je pense que le mec, il flash sur cette fille. Il lui dit, viens, on joue à un jeu. Elle fait, oui, tu proposes quoi? Il fait, écoute, on doit donner 3 qualités et 3 défauts à l'autre. Je commence. Tu es jolie, marrante et à l'écoute. Il est sympa, hein. Et les défauts, bah t'es un petit peu trop hautaine des fois. Tu es jalouse et assez impulsive. J'espère ne pas avoir été trop méchant. Il est sympa, mais je m'étais bien marrant, moi. Elle s'est direct quand même. Comment te mettre tes potes à dos? Elle fait, effectivement, c'est direct comme jeu, à mon tour. Et là, regardez ce qu'elle lui sort. T'as des vêtements et des objets de valeur, et t'es riche, quoi. Ça reste vraiment tes grosses qualités. Et par contre, t'es radin, pas généreux, et tu donnes jamais d'argent. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il fait, putain, mais c'est violent, là. T'es sérieuse? Moi, je donne beaucoup à mes amis, et je partage souvent quand les gens sont dans le besoin. Et elle lui sort, mouais. Bah écoute, est-ce que tu veux bien me filer 50 euros demain pour que j'achète un nouveau pull que j'aime? Tiens, on la voyait pas venir, celle-là. Oh,
vous êtes une vraie connasse, vous, là, hein. Il fait, mais dégage, c'est mort, c'est quoi ce comportement? Elle lui fait, et voilà, j'avais raison, tu vois, t'es un gros radin, tu passes jamais de thunes. Non, mais attends, c'est quoi ce délire? C'est parce que t'as de l'argent, il faut que tu dépannes de l'argent à tous tes potes, tu leur en donnes comme ça, à foison, et si tu le fais pas, t'as un gros rat, un gros radin. Non, attends, ça marche pas comme ça. Et lui, il fait, ferme ta bouche, putain, michetonneuse de merde. Le mec, il pète un câble. Ah, on l'entend moins, ta grande gueule, hein. Il faut jamais accepter un challenge ou un défi qui a été lancé par un de vos potes. Ça part toujours en couille, vous allez comprendre. Ce mec, il dit à son pote, est-ce que tu connais le Yes Man Challenge? Où en fait, tu dois tout accepter et relever tous les défis. Yes. Genre, tu peux pas refuser ce que l'autre te demande de faire. En gros, si on te demande de sauter d'un pont, t'es obligé de dire oui et tu crèves. Voilà l'idée de merde, quoi. Son pote, il fait, ouais mec, c'est très connu comme concept. Je suis chaud de le faire avec toi maintenant par message. Tu peux me demander ce que tu veux. Oh là, rigole pas, gros. T'es pas prêt pour ce qu'il va te dire. Ok, alors demain tu m'apportes 100 euros en cash pour que je me paye des jeux vidéo. Si merde, c'était évident. Tu peux pas refuser tout ce qu'il te dit. Donc si le mec te dit passe-moi 1000 balles, t'es obligé de dire oui. Non mais c'est affreux, quoi. C'est pas idéal, hein. Et y a son pote qui lui fait, non mais pas ça, gros, te fous pas de moi, y a rien de drôle. Et il lui dit, non attends, t'as voulu jouer, t'assumes maintenant. Apporte 100 euros cash demain, sinon je t'éclate. Attends, c'est vraiment des amis, eux? C'est quoi ce délire? Et vous allez voir un petit peu dans le même délire, sauf que cette fois-ci c'est deux filles, deux copines qui vont discuter l'une avec l'autre. T'en as une, elle fait, wesh ma vie, est-ce que t'as toujours ton rouge à lèvres trop joli que j'avais essayé à la soirée? Sa copine, elle lui dit, coucou ma belle, oui mais le problème c'est qu'il coûte vraiment trop cher, il est à ma mère en plus et elle m'a puni quand on lui a pris la dernière fois. Ok, vous lui avez péta un rouge à lèvres, la maman elle a vrillé littéralement. Et l'autre, elle fait, mais on s'en fout meuf, reprends-lui s'il te plaît et ramène-le-moi demain, merci. Elle a trop pris la confiance. Son amie, elle lui dit, non mais je crois que t'as pas compris, je peux pas, elle va vraiment me tuer, me cramer ma daronne là. Et l'autre, elle fait, attends, t'as pas envie qu'on soit plus amis quand même? C'est quoi ça? C'est quoi ce coup de pression? Elle fait, attends, sérieusement là? Elle fait, oui, donc maintenant tu prends le rouge à lèvres de ta mère et apporte-le-moi demain en classe, sinon on n'est plus potes. Genre, tu sais bien que Maxime, hein, donc le gars sur qui elle crush, il adore ce rouge à lèvres et que ça le fait craquer. Donc si tu me le files pas, il voudra pas de moi et ça sera ta faute si je sors pas avec lui. Alors on sera plus copines, c'est tout. Bah dégage, casse-toi de ma vie. Et l'autre, elle fait, j'aime pas ton comportement, c'est pas comme ça qu'une vraie copine doit se comporter, je te laisse. C'est bien, ah non, faut pas te laisser faire. Attends, c'est quoi l'idée d'aller péter le rouge à lèvres de ta mère? Toi, tu vas te faire éclater, le donner à ta pote pour qu'elle aille gérer son crush, et si tu refuses, c'est plus ta copine. Non mais oh, faut pas déconner. Et on va terminer avec ce dernier SMS. Ce gars-là, il a besoin de conseils féminins. Il veut les conseils de sa pote, il lui dit, Lisa, je peux te poser une question? Quelles sont les qualités importantes chez un mec pour que tu sois attiré par lui? Ça, c'est intéressant. Les gars, on reste concentrés. Et la meuf, elle lui sort. Je sais que toutes les filles diraient beau, gentil, attentionné, drôle, etc. Mais pas pour moi. Il fait, attends, c'est-à-dire, tu veux quoi, toi, exactement? Elle fait, franchement, moi, je veux juste un gars qui a de l'argent et une vie stable. Franchement, je préfère avoir un homme pas très beau, mais qui me permet d'habiter dans une superbe maison avec des belles voitures, qui m'achète tout ce que je veux, ça c'est vraiment le rêve. Au pire, tu le trompes avec un autre mec sans qu'il s'en rende compte, t'as tout gagné, ça c'est le bon plan. Oh là là, faut vraiment avoir aucune race en fait, aucun respect des autres pour faire ça. Et lui, il fait, ok, bon bah triste façon de voir la vie et l'amour, mais pourquoi pas après tout. Oh, je détesterais tomber sur une fille comme ça. Voilà les potos, c'est la fin de la vidéo. Un message à faire passer, faites attention à vos fréquentations avec les gens qui vous entourent. Il y en a souvent qui vont profiter de votre gentillesse, qui vont abuser de vous, de votre notoriété, de votre argent, de ce que vous avez. Méfiez-vous, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 10 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dans l'espace commentaire, s'il vous plaît, dites-moi si vous êtes déjà tombé sur un michetonneur ou une michetonneuse et comment ça s'est passé. Qu'est-ce que cette personne vous a demandé et comment vous êtes sorti de cette situation? Est-ce que vous êtes tombé dans le piège? Est-ce que vous l'avez bolossé, trollé? Racontez-moi tout ça. Et si tout va bien, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potos. Ciao tout le monde. Bye.